Hello, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce du sanctuaire Shinaka Uaka sur Zelda Tears of the Kingdom. Donc ce sanctuaire est quand même assez est relativement difficile, que ça demande pas mal de dextérité. Je vais essayer de vous guider du mieux possible. Comme je le dis souvent, c'est une soluce, c'est pas la soluce ultime, hein. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Ça m'intéresse déjà de les lire et puis ça peut aider d'autres personnes. Alors là, quand je dis dextérité, c'est que ben il faut vite sauter sur la planche, il faut être très réactif, hein. C'est au bon moment. Voilà, une bonne chose de faite, mais on est loin d'être au bout de ce sanctuaire. Donc on continue avec les montgolfières. On récupère une sorte de bougie, je sais pas comment on peut appeler ça. Hop, on va faire monter. Ce qui va avoir pour effet d'ouvrir la porte. Vous voyez là ça. Je vous montre pourquoi ça a ouvert la porte. Hein, c'est pas, ça va pour me faire plaisir. Donc vous voyez qu'en dessous, il y a une multitude de réceptacles. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on va commencer la construction. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On fait notre maximum pour tout lire. Même si on joue énormément. Et que du coup, on n'est pas forcément tout le temps en train de... Peut-être sur YouTube, mais voilà. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter. Donc là, on va coller la grosse sphère sur cette embarcation. On va prendre ça, c'est du collage, hein. Et on va mettre les bougies. Bon, comme c'est lourd, ça va prendre tout son temps pour monter. Une montgolfière. Tellement chargé. Voilà. Ça ressemble à rien et c'est pas grave. Vous avez décollé la porte comment? Ça ressemble à rien du tout. Allez, donc là on s'infiltre, on remonte. Tire tout ce beau monde là vers nous. On décolle pour éviter que ça continue à monter. On récupère les deux sphères. Donc voilà pour obtenir le coffre. C'est quand même beaucoup de boulot pour une opale brute, mais certes. Et voilà,
Donc, je le répète encore et toujours, ce n'est très certainement pas la solution auquel ont pu penser les développeurs. C'est peut-être même pas la solution auquel vous avez pensé. C'est la solution que moi j'ai trouvée. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et si vous avez trouvé d'autres solutions, n'hésitez pas à nous les faire connaître. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.